Bonjour à tous et à tous, et on se retrouve pour la deuxième partie des 10 plus beaux thèmes Dreamboard pour iPhone et iPod Touch. En numéro 5, donc on va tout de suite commencer le classement, en numéro 5, nous avons X Lion Ultimate HD, qui est un thème très, très réussi et qui va transformer votre iPhone et iPod Touch en Mac, donner plutôt l'apparence d'un Mac. Donc là je vais un peu accepter tout vu que le thème je l'avais pas encore remis. Voilà le thème, très réussi, un très beau fond d'écran, un dock avec les applications. Si je m'amuse à ouvrir une fenêtre, donc là j'ai voilà, par exemple si je ouvre ceci, j'arrive au message. Et je peux même m'amuser à bouger la fenêtre. Voilà. Et j'ai tous mes icônes ici. Le lock screen qui est aussi très beau. Donc vous pouvez choisir votre photo, votre nom. Vous avez quelques petites touches. Et quelques informations. Il me dit que j'ai 5 mails que je n'ai pas lus. Pour déverrouiller, il suffit d'appuyer sur Start et on arrive ici. Voilà. Pour retourner dans Dreamboard, il suffit. Non. Je sais plus où c'est exactement. Voilà. Donc il suffit d'appuyer sur ce petit icône et de chercher l'application Dreamboard. Voilà. Donc c'était le thème OS X Lion Ultimate HD. En numéro 4, nous avons un thème très réussi et très beau qui est Metro 8. Et qui va tout simplement vous donner l'apparence du prochain Windows, donc le Windows 8. Thème très agréable qui fonctionne très bien. Nous avons les icônes. Si on appuie en bas, on a l'heure, voilà. Et on peut aussi le mettre en mode paysage. Hop. On peut l'utiliser en mode paysage si on le souhaite. Pour tourner, il suffit d'appuyer. Voilà. Donc un très joli thème. Le screen. Voilà. Pour retourner dans Dreamboard, il suffit d'appuyer sur ce petit icône. C'était le thème Metro 8. En numéro 3, nous avons le thème. Pardon, je me suis trompé. Nous avons le thème Android qui est déjà disponible dans Dreamboard et qui va transformer votre iPhone ou iPod Touch en HTC, donc lui donner l'apparence, bien sûr, pas le transformer, mais lui donner l'apparence avec le widget météo et l'heure, les petits icônes, le dock qui a changé et le lock screen. Voilà. Très joli thème. Pour retourner dans Dreamboard, il suffit tout simplement d'appuyer sur Dreamboard. En numéro 2, nous avons le thème Galaxy S2 et qui va transformer votre iPhone ou iPod Touch en Samsung Galaxy. Donc, toujours lui donner l'apparence, bien sûr. Un très beau lock screen, il suffit de glisser vers le bas. Des icônes. Des widgets météo, heures, photos, notes. On peut bien sûr prendre des notes, il suffit d'appuyer et de taper. Un dock avec des raccourcis. Franchement, un très beau joli thème, pardon. Pour retourner dans Dreamboard, je cherche. Il suffit d'aller dans application et chercher
Dreamboard, qui est ici. En thème numéro 1, donc, qui est pour moi le plus beau thème Dreamboard, c'est OS7. Et c'est un thème qui va vous donner l'apparence d'un Windows Phone. Vous pouvez bien entendu rajouter des icônes, moi j'en ai pas rajouté. Si on appuie sur la petite flèche, on a la liste, toutes les applications. Donc deux menus un peu très simples, très agréables. Pas de lock screen, pas de thème lock screen, mais parce que là il donne pas trop, mais si vous rajoutez plein d'icônes, il est très agréable comme thème. Donc voilà, c'était les 10 plus beaux thèmes Dreamboard. N'oubliez pas de visiter notre site internet itweekjailbreak.e-site.com qui est ici, mais également de nous suivre sur Twitter, itweekjailbreak, et d'aimer la page officielle Facebook, itweekjailbreak officielle. Je vous remercie, à très bientôt pour une prochaine vidéo.